Grazie anche per la collaborazione e l'attenzione che ha sempre dimostrato per il nostro Parlamento. A lei, Presidente Juncker, la parola. Prego. Nous sommes en train de vivre le 25e trimestre consécutif de croissance. Nous avons connu 7 années de croissance en Union européenne. Nous avons créé 14 millions d'emplois. Le chômage est le moins élevé depuis l'an 2000. 241 millions d'Européens sont en travail, un taux d'emploi de 73,9%. Le plan Juncker a généré des investissements de l'ordre de 432 milliards. Les déficits sont passés de 6,6% à 0,7%. Cette flexibilisation sage, réfléchie, intelligente du pacte de stabilité nous a permis de répondre présent lorsque l'Espagne, le Portugal, l'Italie et la Grèce ont demandé que nous agissions en leur faveur. Autre réussite, me semble-t-il, la Grèce. J'en parle parce que cela m'a beaucoup occupé et préoccupé. Nous avons redonné à la Grèce la dignité qu'il convient de lui donner. Réfugiés, oui. Succès ou non. Le bilan est mieux qu'on ne le penserait, mais il pourrait être mieux encore si le Conseil, comme l'a fait le Parlement, avait suivi toutes les propositions que la Commission avait soumises à la méditation du co-législateur, un premier volet sur la relocalisation en mars 2015 et un autre en avril 2016 sur la réforme du système de Dublin. Mais n'oublions pas que grâce à l'Europe, nous avons pu sauver en Méditerranée 760 000 vies. Nous avons conclu 15 accords commerciaux internationaux. Nous avons aujourd'hui des accords commerciaux avec 60 pays, ce qui reflète 40% de la richesse globale. Les trade agreements nous aident à être présents sur la scène internationale à un moment où les États-Unis tournent le dos au multilatéralisme et donc à la solidarité organisée. Ich plädiere noch einmal dafür, dass wir auch in Fragen der Außenpolitik mit qualifizierter Mehrheit im Rat entscheiden. Nicht in allen Fragen, aber doch. Ich war stolz darauf, während langer Zeit, vor allem in den letzten 5 Jahren, ein kleines Teilchen eines größeren Ganzen zu sein, das wichtiger ist als wir. Prenez soin de l'Europe. Et combattez de toutes vos forces les nationalismes stupides et bornés. Vive l'Europe. Grazie, Presidente Juncker.